des semences dites améliorées parce que de haut rendement, résilientes au changement climatique et aux attaques des ravageurs. Des semences de piment, de tomates, de gombo et d'amarante sont retenues pour cette première phase de distribution de kits de semences aux maraîchers du Bénin. Cette distribution, officiellement lancée ce vendredi 3 mai 2024 dans la commune de Semepoji, n'est que le résultat d'un long processus de recherche et d'expérimentation conduite par les chercheurs de World Vegetable Center et leurs partenaires sous le regard attentif des autorités béninoises et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet CEFVEG. On a testé plus d'une centaine de variétés avec les producteurs et aujourd'hui nous avons environ 28 variétés qui ont été soumises au catalogue pour être inscrites comme des variétés commercialisables. Mais en attendant que ces variétés soient officiellement inscrites au catalogue, nous avons jugé utile de permettre à beaucoup plus de producteurs du Bénin de pouvoir les voir et de les tester. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer le partenariat que nous avons avec l'INRAP ainsi que la DPV. J'ai accompagné les producteurs dans certaines exploitations de Grand Popo où nous avons vu des variétés de tomates qui ne coulaient pas. J'ai réuni le staff technique. World Vegetable Center venait de s'installer et ils étaient en plein essai d'adaptation des variétés dans notre site de ITA à Calavi. Je leur ai dit, voilà, là où nous sommes. Les variétés que vous avez senties qui s'adaptent à notre écosystème, il faut pouvoir les multiplier rapidement et mettre à disposition. 3500 kits de semences améliorées, qui sont de véritables pépites recherchées par les producteurs, ont été multipliés par des firmes semencières locales formées pour la circonstance. Le projet CEFVEG, à qui revient le mérite de cette prouesse, couvre le Bénin, le Burkina Faso et le Mali et est financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Ce n'est donc pas par hasard que l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin et les représentants de sa collègue de l'Union européenne ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie très matinale. Cette activité du projet CEFVEG inscrit bien dans les objectifs stratégiques des Pays-Bas, au Bénin et de l'Union européenne à contribuer à la amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de malnutrition, entre autres par l'augmentation de la productivité, du revenu des petits producteurs et productrices, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. J'adresse mes encouragements à l'équipe du projet CEFVEG. Certains des maraîchers qui ont participé aux essais techniques des dites semences sur leur périmètre maraîcher ont tenu à rendre témoignage des leçons et des retombées de leurs expériences agricoles avec les équipes du projet CEFVEG. Surtout, nous avons dit qu'il y a des tabacs nématodes. Si nématode, essaie de bloquer le milieu de points pour t'aller non corriger nématode. Un matin, 100%, même 90%. Et qu'on vit une nuit. Essaie, y est bloqué, on y est soudé. Taqué, dans le vovo, ça, on va, on va. On va dire, mais qui est taqué, là, quand il y a le combat, comme il va. Sans wende mi wa do jebe taki mo ko to gba ko to ble pe meme to di mi le karo tara gbe bro mo nu mo nko ton sa enu mi fun eso me no do ku do ami mo ro ta mo nko ton wo mi fun mi no ko de do afon de mi ton de mi no ko de me les producteurs maraîchers du Bénin feront tout pour produire suffisamment pour d'abord satisfaire la demande nationale et envoyer les excédents à l'extérieur. Voici l'instant tant attendu. Des paquets de kits de semences améliorées de tomates, de piments, de gombo et d'amarante remis à quelques représentants des maraîchers du Bénin. Et c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui ouvre le bal. Je vous confie ça. Il doit devenir grand, fort et nous développer. Le Bénin dépend de toi. Prends. Grâce au projet CEFVEG, World Vegetable Center et ses partenaires œuvrent pour accroître la disponibilité et l'adoption des semences de qualité, de variétés améliorées de légumes. Le dit projet, qui dans sa phase actuelle s'achève dans environ un an et demi, vise une production locale de légumes sains pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest.
Une cérémonie de distribution de kits de semences améliorées, identiques à celle-ci, aura lieu sous peu au Burkina Faso et au Mali.